Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. En séjour au Qatar, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un du moyen de l'investissement et l'économie. Ainsi ont-ils également échangé leur point de vue sur les principales questions régionales et internationales et sur les développements d'intérêts communs, en particulier l'évolution de la situation dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés. Et puis dans un autre registre, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature a bouclé ce lundi 4 mars 2024 ses travaux par l'examen du rapport des sous-commissions des relations interparlementaires et avec l'extérieur ainsi que l'organisation et les fonctionnements des cabinets des membres du bureau de l'Assemblée nationale, sans oublier les fonctionnements de l'administration parlementaire. Suivez tour à tour les députés nationaux Jacques Ndjoli et Sengetele, président de la dite commission secondée par l'honorable Geneviève Inagosi. Suivez. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui que un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail. Le rapport on me rendra les spéciales chambre unique. 21 dossiers plutôt ont été alignés pour ce lundi 4 mars. Ils concernent les circonscriptions électorales de la commune de la l'assemblée qu'elle pour ne pas
dialogue. Pour Non. Les Congolais reviennent au cantonnement. C'est ça le dialogue. Au-delà de ça, il n'y a aucun dialogue. En tout, pour les Kinois, il est clair que la RDC doit se faire respecter par une solution militaire qui doit être réservée à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Comment fonctionnent les tribunaux d'enfants? Le sujet a été abordé ce mercredi au lycée technique Omisalissa entre la présidente du tribunal d'enfants de la Gombe, et les élèves. Autre détail dans cet élément de reportage que vous propose votre rédaction. Les échanges entre la présidente du tribunal d'enfants de la Gombe, Annie Wadimania, et les élèves du lycée technique Omisalissa ont porté sur, entre autres, le fonctionnement du tribunal d'enfants, leurs attributions, les droits et devoirs des enfants, aussi les droits et devoirs des parents. La conséquence, c'est que, au regard de son âge, elle ne va pas faire objet d'un placement dans un établissement de garde et d'éducation de l'État, comme au quartier 10 de la prison centrale de Macal. Mais les conséquences qui incombent sur les parents, c'est un volet civil. Chaque fois qu'il y a un manquement à la loi, ce manquement peut avoir causé de façon directe un préjudice à la partie lésée. En ce moment-là, généralement, c'est par des dommages et intérêts. Ça veut dire que les parents, les tuteurs civilement responsables de l'enfant âgé de moins de 14 ans qui a commis le manquement vont devoir être obligés par le tribunal de payer à la partie lésée une somme d'argent. Une initiative saluée par le préfet du lycée technique Omisalissa. En tout cas, c'était vraiment bien et très intéressant. Les filles ont beaucoup aimé, elles ont posé beaucoup de questions, ça a attiré vraiment leur attention. Nous espérons qu'il y aura des fruits sur leur comportement. Ils vont plus afficher le même comportement qu'avant, parce que peut-être que par ignorance, maintenant elles sont informées.
sont vigueur, même si avisés en vont deux. En tout cas, merci beaucoup, Madame Annie, merci à l'organisation et merci à notre assemblée, Madame Solange. C'est dans une ambiance bon enfant que cet échange pédagogique s'est clôturé. Dans un autre chapitre, la dynamique pour la démocratie au Congo, DDC, ses partis politiques chers à l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto, était en matinée politique le week-end dernier. DDC, une décennie après, est le thème qui a été choisi. Cette matinée politique a coïncidé avec les 13 années d'existence de cette formation politique influente du FCC. Nadine Tshotshi-Gombo était donc là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa TV. Cette matinée politique de l'exécutif de la dynamique pour la démocratie au Congo, élargie à d'autres branches spécialisées, était une belle occasion pour les partis politiques de l'honorable Jean-Marie Ingele Ifoto de s'auto-critiquer mieux, faire une introspection de son fonctionnement une décennie après, comme l'indique le thème de cette matinée politique. Au total, 5 intervenants pour la circonstance, entre autres Jean-Marie Ingele Ifoto, président national de la DDC, qui a ouvert ses travaux. Ainsi a-t-il tablé sur les agrégats fonctionnels normaux d'un parti politique cas de la DDC. Ici, le président national a martelé sur l'importance et la connaissance parfaite du projet des sociétés de la DDC qui est la garantie morale dans l'action politique. Dans la salle, c'est la sérénité. Les cadres ont suivi religieusement les différentes interventions qui ont laissé place au débat. Certainement, il faut suivre le... Nous avions fait ce que nous faisons maintenant et ce que nous pouvons faire demain. Donc, c'est une question d'introspection. Je suis très heureux de trouver les collègues hommes et femmes qui sont présents pour qui répondent présents à l'appel du parti, en même temps à l'appel de la patrie. Et là, quand vous êtes initiateur, vous êtes animateur principal et que vous avez des collègues qui répondent à votre appel, ça fait l'objet d'une grande satisfaction. Rentrée politique, oui et non. Et surtout la préparation à la rentrée politique. Nous sommes en train de savoir si nous existons politiquement. Et pour l'année 2024, le dimanche dernier, c'était une occasion de recevoir les élus de leur circonscription électorale. Doudou Montieri et Mouro Djambi, images et commentaires. C'était de véritables retrouvailles au cours de cette première réunion de l'Assemblée générale ordinaire de l'ASBEL, les retrouvailles des anciens de Mongafula. Il était question de faire le bilan sur les activités effectuées au cours de l'année 2023, aussi de faire le bilan sur les activités et actions à mener durant l'année 2024 en cours. À cette occasion, l'ASBEL RAM a reçu les élus et natifs de la circonscription de Mongafula, comme l'explique son président. Mabaya ainsi que l'honorable Mubengai Socrate. Nous avons été comblés
parler à présent. Nous sommes très satisfaits parce qu'ils nous ont honorés en répondant à l'invitation que nous leur avons lancée. Nous avons beaucoup aimé leur promptitude. Quand nous leur avons lancé la carte d'invitation, ils n'ont pas hésité. Ils ont été parmi nous et nous sommes satisfaits de leur présence au milieu d'eux. C'est une satisfaction d'être reconnu par le sien, a dit le député provincial Jacques Mabaya. En tout cas, c'est d'abord une satisfaction totale. C'est une satisfaction totale parce que nous sommes honorés par les siens. Aujourd'hui, c'est RAM, les retrouvailles des anciens de Mongafula, qui a voulu inviter les élus de leur circonscription. On est dans la joie parce que nous sommes reconnus par le sien et nos électeurs se reconnaissent en nous. Ça a été vraiment une joie. C'est une réunion qui s'est déroulée dans une joie pour laquelle je manque même de mots pour exprimer cette joie que nous avons retrouvée ici et que nous avons aussi transmise à nos électeurs. Nous ne pouvons que dire merci à nos électeurs et à l'association RAM qui nous a invités. Et nous allons aller de l'avant pour le développement de notre circonscription qui est la commune de Mongafula. Ces échanges seront approfondis pour aborder à fond des sujets qui touchent la commune de Mongafula, a dit pour sa part le député provincial Socrate Mubengai. Dire merci à la structure pour l'initiative OYO. C'est une première qui puisse nous appeler pour nous aider. Et les jours à venir, nous allons plus approfondir nos échanges pour pouvoir réellement débattre sur les sujets qui touchent notre commune de Mongafula. C'est dans une ambiance de convivialité que cette rencontre a eu lieu. Dans le cadre des activités marquant le mois de mars, mois dédié à la femme, l'association Tribune des femmes de médias a organisé un match de Nzango, les opposants à quelques équipes de la place. C'était au cercle Kimbopeto sur la 8e rue dans la commune délimitée résidentielle d'Orcas Vani. Comment devait faire? Ma femme s'aimait devenir un monsieur. C'est dans le cadre du lancement officiel des activités commémoratives du mois de mars célébré sous le thème « Investir en faveur de femmes, accélérer le rythme » que l'association Tribune de Femmes de Médias a organisé cette activité sportive. Un match d'Nzango qui a opposé le Femmes de Médias aux équipes de la place. Kana kamera. Lelo yobokomi basa lokumwe tribune bomi bete lata mulolo toyeba na bino. Habillé en noir, signe de deuil en mémoire de Congolais victimes de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le thème de accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. Alors, Tribune des femmes qui veut aussi impacter, qui veut faire d'une femme le pilier de l'impact de la société, veut orienter justement cette thématique qui va conduire tout le mois de la femme. Alors, maman, tu as un essaiming, il y a quoi accueillir, bino, vraiment la cadre, oh yo, miso to sengeli, to sepeli, ko fungolangona, milulu, il y a loisir, oh, te bengi loisir, na ya sport. Alors, y a un to moni match, oh yo, y a un zango, zo bete malele, zo repose, biso na, bande kona biso ya basi, ya foshiva. C'est dans une ambiance de convivialité que cette rencontre sportive s'est déroulée. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, la Ligue nationale de football a suspendu le résultat de la rencontre qui a opposé le dimanche dernier l'AS Vita Club aux Aigles du Congo. Le match est comptant pour la première journée de play-off de la Ligue nationale du football, la Lina Foot. Suivez.
soldé sur le score de parité d'un but partout. Ce résultat qui a sanctionné la rencontre de la première journée pour le compte de play-off de la Ligue nationale de football opposant l'association sportive Vita Club et les Aigles du Congo le dimanche 4 mars dernier au stade de Martyrs de Kinshasa et suspendu de manière préventive par les comités de cette ligue en attendant les rapports des officiels. Une mesure prise suite aux incidents survenus à l'issue de cette rencontre. Tel comportement antisportif a sanctionné absolument afin que l'ordre règne au sein des installations sportives de la RDC. Fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Christian Bangiolo. La prise de vie a été assurée d'habitude par Olivier Longangou, en l'ernant ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis encore merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique.